good spot, that. I forgot you were there. I'm relaxed. I'm got to Paris today. I just got off the plane right now, so I have no connection with the fashion world right now. Does that feel nice? Is that unusual? Yeah, I'm so chilled out. Everyone else is so stressed out, and I'm not stressed at all. I'm feeling good. I stopped doing the shows for a year and a half, so for me it's cool, you know. I'm really like excited about it, and I'm cool about it too. Un anniversaire français. Très joli. Regardez. Voilà. Voilà. Avec les ongles. C'est un cocktail à la française, mais avec une touche de rock and roll. C'est assez jeune, c'est plein de couleurs, mais c'est très féminin. Le thème récurrent derrière cette collection, c'est l'histoire de ma grand-mère. J'ai toujours raconté des féeries, les légendes de ma culture. Et cette fois-ci, j'ai voulu raconter son histoire, une légende vivante. Elle a participé énormément à cette collection. C'est elle qui a tricoté tous les chaussons, des vestes, des pulls. J'ai voulu raconter son histoire. J'ai voulu raconter son histoire parce que cet hiver a été particulièrement difficile financièrement. On a même failli ne pas faire cette collection du tout. Et elle a toujours su me donner la force de vivre, cette immense joie de vivre et de continuer, de continuer, de continuer. Et donc tout ça s'est mis en place avec évidence. Voilà, j'ai raconté son histoire. Et il était comment quand il était gamin ? Très, très gentil. Mais il avait été cuisinier avant. Hein. Après, il a dit, tiens, mais je ne veux plus faire, mais je vais faire à la couture. Parce qu'il avait une machine à coudre chez mémé, et alors, il cousait toujours. Je ne lui ai pas appris à faire le tricot. Il ne sait pas tricoter, mais il sait coudre. Thank you.
fabulous. I was very moved by it. And he's one of the great inventors and one of the great creative people in this world, I think. Do you think there's still many more films to be made on the fashion business? Oh yeah, not by me though. I just like the kind of romanticism of taking the sort of icy wastes and the North Pole and Eskimos. And a lot of people complain, they say, oh, there's too much fantasy, you couldn't wear the clothes. But I think actually, when you strip them down and you take away the accessories and, you know, all the layers and petticoats, there were some beautiful shapes.